On nous donne cette équation différentielle, la dérivée de la fonction y, fonction de x, par rapport à la variable x, est égale à cette fraction. Ce que nous cherchons, c'est cette fonction y de x. Si la dérivée de cette fonction par rapport à x, c'est cette fraction, c'est que la fonction y doit être égale à la primitive de cette fonction plus une constante additive. Pour calculer cette primitive, nous appliquons un petit truc. Nous allons additionner et soustraire aussitôt 1 dans le numérateur. Ainsi, nous obtenons cette primitive-là à calculer. Mais cette fraction, ça donne 1. Et la primitive de 1 du x, ça c'est x. Cette fraction-là, ça c'est justement la dérivée de l'arctangente de x. Donc la primitive de cette fraction, c'est l'arctangente de x. Et ainsi, nous avons trouvé très rapidement la fonction y qui vérifie cette équation différentielle.